Salut à tous, on se retrouve ensemble pour découvrir un tout nouveau jeu vidéo découverte, ça s'appelle Loopmancer. Alors ça surfe un petit peu sur la vague des jeux roguelike où on est dans une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'en fait on va avancer dans l'histoire, on va recueillir des informations, par contre quand on va mourir on va recommencer tout depuis le début. Ce qui est un petit peu l'aspect je pense négatif de ce jeu, c'est dommage parce que il est très sympa, visuellement vous allez le voir c'est assez joli. Ça fait penser un peu à Trek to Yomi, sauf que c'est en couleur et c'est très coloré, c'est très sympa. Il y a quelques cinématiques en plus qui ponctuent l'aventure. Tout de suite, on découvre ça ensemble. Alors attention, malheureusement, le jeu est totalement en anglais. Donc pour nous, amis français, il va falloir se contenter des sous-titres anglais. Yo, it's the shoe. I have been busting my ass. Dave Ray, what's got you in such a rush? I brought you a weapon. Well, didn't you already give it to me in the office? I felt that might not be enough. Think about it. You sent Weilong to jail 5 years ago. But now, he ain't a punk no more. Guy's the head of Long Shi Gang. He hated your guts for sure. Today, his gang is hosting the Parade of Panate. His men gonna jam the street. Is he gonna cooperate with your investigation? Not a chance. It's gonna be ugly. Thanks, man. I appreciate the concern. Never mind. Long Shi Town is a party today. The streets are full of food stalls. I'm just here for the feast. Here, this is for you. Be careful, man. If the chump and his men make a fuss, don't hesitate. Just do what you have to do. You know I can handle myself. You're right. Still, be careful. I'll see you later. Later. I hear there's a stew pork restaurant in town that's out of this world. Alors, on peut se déplacer. Par contre, pas en profondeur. Alors moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu les premières vidéos de ce jeu, c'est la qualité visuelle. Alors, le ray tracing est activé et on voit que avec toutes ces couleurs, c'est très très bien utilisé. Hi there, Zhong Tishu. I'm Mona, the senior mission intel agent on this case. Greetings, Mona. Pleased to meet you. Liu Xin is my supervisor. J'aurais pas dû faire continuer. You solved many well-known cases with her. I'm honored to be part of your team. You're being too polite. Wei Long is currently at the bridge and enjoying the pageant with his underlings. Keep going and cross the barricade. You'll see him once you get down there. Given your skills, this shouldn't be a problem. Thank you, Mona. What do you know about the Parade of Panate? The city god of Long Shi Town embarks on his annual tour on the fifth day of the sixth month of the lunar calendar. People also call it the Parade of Panate. To ensure a year of fortune free of calamities, temple crews will organize a rich and colorful parade along the canal. The Long Shi Gang grew pretty quickly in the past few years. They donated vast sums for 3 years running. This fest cost them $50 million alone. Thank you, Mona. That bit of intel is actually quite useful. I will keep an eye out on things and update you as we go along. Be safe. I'll see you later. You too. Be careful. Ok, donc avec X on peut foutre des coups de katana. Qu'est-ce que j'ai balancé là? D'accord, là il y a un boost de vitesse. Ah, ok. D'accord, il faut les repérer, hein.
C'est quoi, c'est un signe? Qu'est-ce qu'on a là? Note. C'est un espèce de d'équivalent collectif là. Ah, j'ai pas vu ce qu'on a. Ok. Je suis passé de l'autre côté. Alors. Je peux me soigner. Alors, on nous dit que quand on termine un niveau, tous les terminals logistiques qu'on a utilisés perdent la capacité de redonner de la vie. Si on appuie à gauche, on peut dépenser alors des corps. Je sais pas ce que c'est, parce que le HUD a pas mal de choses. Ça reset HP. Alors on peut neutraliser la capacité de soigner de tous les terminaux dans le niveau. Alors c'est un jeu type roguelike, hein, donc on va découvrir cette partie-là dans le gameplay. Et par contre, on peut ouvrir la carte et se téléporter à un autre terminal. Voilà. Je peux me soigner ou y perdre. Il y aura un choix stratégique en fait à chaque fois. Alors on peut voir le niveau. Donc qui sera différent entre chaque run visiblement. Sympa cette carte. C'est un truc à choper là. Grenade. Alors, j'ai l'impression qu'on peut débloquer des choses et qui resteront quand on meurt. Par contre, on a besoin de trucs que je n'ai pas encore. Si. Ouais, j'ai que 75. Ah, ça y est, je vois les crédits. J'en ai que 75 pour l'instant. Ok. Une grenade. J'espère que je vais pas me péter la gueule en montant là-dessus. Ils disent quoi? When you see nana. Ok. Alors, je peux descendre. Je trouve le gameplay intéressant. Ah, alors, j'avais pas fait gaffe au début. On a la carte en haut à droite. Apparu, ce qui nous permet de voir un petit peu où on est et où on peut aller surtout. Ouais, définitivement j'aime bien la patte visuelle, mais c'est clairement ce qui m'avait tapé à l'œil, j'avais trouvé ça très sympa. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va avoir notre premier combat. To what do I owe this pleasant surprise? I'm sure you didn't come all this way just to see our little holiday celebration. This reporter's name is Lisbeth. Hot. She disappeared 2 days ago. It's too bad I never got to see her with my own eyes. Did any of you see her? Never saw her, boss. You hear that? Now if there's nothing else, piss off. The co-workers say that you're the last person she interviewed. I said you can piss off. You may have heard. We're investigating a murder involving several of your people. If you don't cooperate, I can move this up the chain. Then come back with a search warrant and take you down. If we do it that way, I'm afraid your extravagant parade of Panate might hit a few snags. Screw you!
You think you can threaten me on my own turf? Don't think I forgot about our grudge from 5 years ago. Who do you think you are? You're just a petty detective. What the hell are you all looking at? Put the word out. Whoever kills him gets a 500k reward. Fucking idiot! I don't know, use a gun. Shit! I just wanna go down! What the damn fuck? That's brutal! Je sais pas si... Ah ouais, j'ai... Est-ce que je suis limité en balles? Ouais, je crois que je suis limité en balles. D'accord, on peut esquiver. Ça, c'est la grenade. Putain, quel con. je vais pas essayer de la ramasser. Ok, sauter. Esquiver. Gun. Alors j'ai obtenu des mines et des grenades. Ouais, pour courir, j'ai le réflexe plutôt d'aller sur la touche de droite que de gauche. Alors si on fait repair, je peux faire hit. Et donc je peux me re-téléporter en arrière si je le souhaite. Je peux également voir la suite de la carte. Marchand. Don't shoot. Science is shit. The robot. Why do you know me? I'm a cyborg, actually. The name's Falk, and I'm a black market dealer. I know Dave Ray from your office. You know Dave? How? I have a store at the North Vital Market of Dragon City. Dave pays me occasional visits to buy a few weapon chips or parts you can't get from the open market. Well, North Wakyong is the place for chips, circuitry, and other electronic parts. Techie like him who just arrived at Dragon City must feel as though he's hit a gold mine. Why are you here? I do business, and business is always better at troubled places. You seem to have a role with the Lucy gangsters. Do you want to check off my wares? They'll help you. Fine, let me take a look. But first things first. I gotta tell you that Lucy gangsters buy things from me as well. You're quite the businessman, I guess. I suppose you'll sweep the battlegrounds afterwards for weapons and loot. De toute façon, j'ai pas assez de thunes encore, mais. Et un double shotgun. Là, j'ai l'impression que c'est une compétence. Autre gun. Là, c'est... Ah, on utilise un poisson comme un nunchuck. Trop fort. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des challenges qui vont nous permettre de débloquer des récompenses. Tuer 20 ennemis, tuer des ennemis non armés en 10 secondes. 3. Use overkill to kill enemy. Alors, overkill... ce qui s'appelle Overkill. Ah, il y a un peu de sang aussi. Alors, ah voilà. Bah, justement, on voulait savoir comment on faisait. Overkill. Alors, j'ai l'impression qu'en donnant des coups, sans en prendre, à un moment donné, il va se passer quelque chose au niveau de l'écran. Et là, il faudra appuyer sur L et R en même temps. Alors, je pense que c'est les sticks. C'est les deux sticks. Et là, on peut voir un challenge. J'ai déjà tué deux mecs. Alors, il y a 7 secondes. On verra manier le popotin. Alors, j'ai l'impression que j'ai échoué. Ouais, j'ai bu quelque chose. Hein. Ça m'a redonné de la vie, c'est bien ça.
Ouais, par contre... J'en ai combien des canettes comme ça hein. Je vois pas spécialement le compteur. Ah, et puis on peut le voir en haut à gauche, il y a le L plus R qui est en grisé, donc peut-être qu'à un moment donné je le verrai devenir blanc. Bon, forcément il y a la barrière de la langue, mais le faut aussi se faire au gameplay, au HUD, c'est... On va regarder par là s'il y a des choses à choper. Voilà. Ah, c'est marrant, je trouve très tôt on peut acheter des... On peut acheter des choses, mais on n'a pas de thunes. Hein. D'accord, les petites pièces bleues là, c'est de la... La thune, ah, comment je remonte là, ici. Ouais, par contre, putain, j'essaie de les esquiver là. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vu que j'étais mort. Je pense que c'est parce que je les ai tués. Ah, minou. Ah merde. Oh shit. Visiblement, ça fait partie du scénario. Alors, j'ai pas fait gaffe aux dates pour essayer de suivre le déroulé chronologique. Bon, en tout cas, on sait qu'on a un détective. Alors, on nous dit à chaque fois qu'on va mourir, on va se réveiller dans notre appartement, donc le 8 juillet 2046. Cependant, on se gardera nos souvenirs. Alors, on nous dit qu'il faut utiliser justement cette connaissance pour prendre des meilleures décisions dans la prochaine, on va dire, boucle temporelle. Les choix ont un effet sur l'histoire, le destin et les moments clés du personnage. Et c'est là où ils nous disent que la nouvelle boucle change la carte, les puzzles et l'histoire. Morning's issue. Do come by the office today. Something urgent came up. Ah, petit mignon. Alors, notre truc a augmenté. Donc ça, c'est les preuves, on va dire, c'est notre enquête. Alors, on va pouvoir suivre l'enquête liée à l'accident qui a tué sa fille. Donc on va pouvoir suivre la progression de l'histoire. Les preuves et les informations qu'on va récolter vont être visibles sur un tableau de bord. On voit une petite vidéo en haut à droite. On va pouvoir voir certainement les cases qui vont se remplir, voir les relations entre les personnages, la progression dans les différents niveaux, les statistiques du gameplay, ouais, on s'en fiche un peu. Alors, est-ce qu'il y aura des moments clés par rapport aux différentes boucles? Est-ce qu'on aura une trace des différentes boucles? Je ne sais pas trop sous quelle forme. Personnages débloqués. Ce qu'ils appellent les corps, on va voir. Donc ça, on va dire c'est les personnages, nos stats, moments clés et les achievements. Hi, it's me. This isn't anything important. I saw the mail you sent me. I don't want to undergo the spinal neural surgery you mentioned. I know you want the best for me.
and I know this new tech looks pretty effective. But please, just let me think about it for a while. Il y a une sacrée salle de sport, hein. Ah. Alors les fameux corps qui vont nous permettre de débloquer des choses. Donc le fait de jouer va nous permettre de débloquer des unités, parce que c'est comme des niveaux de compétences. Et on va pouvoir augmenter notre vie, le nombre de médocs ou autres qu'on va pouvoir embarquer. Là, par contre, voilà, coup, j'en ai qu'un. Ah, c'est le même logo qu'on avait au niveau des espèces de checkpoints où on pouvait prendre de la vie ou autre. Des icônes, alors j'ai l'impression que c'est encore comme de l'argent. Et ça, c'est des skills de combat. Donc plus on va jouer, plus on va être fort et plus on va dire on va pouvoir avancer loin dans nos boucles. Là, on peut changer notre. Ouais, c'est sympa. Après, je dirais si j'ai des points à dépenser, je vais pas les dépenser là-dedans, mais c'est plutôt sympa. Le bureau. Sur Amazon Prime, c'était le film. Je crois que c'était Boss Level Up avec Mel Gibson qui était plutôt sympa. En fait, l'histoire de boue comme des flous, tout ça, c'est un peu un principe qui est propice à des choses assez sympas dans le domaine des jeux. Je sais pas si ça alimente une base de données. C'est pour ça que je les ouvre entre guillemets, mais je les lis pas. Spécialement, plutôt charmante. Zishu, you finally come. It's been a while. How have you been? Zishu, you're finally here. Sorry to call you in on a Sunday. Hey, after all this time away, you're treating me like a stranger now. You're in a much better mood than I expected. I can't stay depressed forever. Anyway, what case is too hard for the great Liu Shi? Another reporter went missing after her vehicle was hacked. She's a reporter with the Dragon City Daily and the mayor's daughter. The mayor is a good friend and college classmate of the director. This reporter was like a daughter to him. Wait. This reporter. What's her name again? Lisbeth. It can't be. You know her? I don't know her. But what I'm about to say might surprise you. Tell me about it. Wei Long is the last person she interviewed. You piqued my curiosity, and now you have my attention. This is a new case. Who gave you this intel? I was startled awake this morning by a dream. I remember it vividly. I went to Longxi Town to look for Wei Long and investigate this case. You mean you dreamt of looking for Wei Long in Longxi Town? Quit messing around and tell me who gave you the intel. I'm not joking. I'm confused too. I'll just have to talk to Wei Long in Longxi Town. Go on, keep messing with me. Parade of Panade is being held in Longxi Town today. The event is sponsored by the Longxi Gang. One more thing. As you already know, Wei Long is the last person that Lisbeth interviewed. There's bad blood between you from 5 years ago, and now he's the head of the Longxi Gang. There's no way he will cooperate willingly. Head over to Dave Ray's in a bit to get a weapon. Understood. I'll leave soon. I sent the detailed brief to the terminal outside the office for you. Remember to give it a read. Go upstairs and check in with the director before you leave. Great. Alors, on m'a dit de...
peux monter, je dois pouvoir... Non, je peux pas. De toute façon, je peux pas continuer. Je suis obligé de monter. Bureau du directeur. Sure, you're back. Thank you for coming back for this case. Hi, Director. It's been a while. You lost weight. I take it Liu Xin already filled you in on the case brief? Yes. I'm going to start investigating soon. To be honest, this case puzzles me. Many reporters have gone missing, and not a single one of them has been found. I watched that girl grow up. Please, do everything you can to help. Don't worry. I'll do everything I can to bring Lisbeth back. To be honest, this case puzzles me. Many reporters have gone missing, and not a single one of them has been found. I watched that girl grow up. Please, do everything you can to help. Don't worry. I'll do everything I can to bring Lisbeth back. Donc ça, c'est notre arme de mêlée. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Pareil pour le gun. Ils mettent un petit peu une mine. D'accord. Et ça. Pouvoir à distance, ok. Tiens, c'est gratos. Voilà, entre une brique ou une bouteille. Ouais. Bouteille est mieux. Hey, Zishu, you're finally back. I've heard you're going to Longshi Town to take out the most ruthless gang there. Got something good for you. Just think of it as a welcome gift. I mean, that's all. Let's see what you can do. Zishu, my man, I missed you. Dave Ray, good to see you. You find me new food during my absence? I'm glad you asked. I've been bugging Liu Xin since you've been gone. She says I'm making her gain weight from all the food. The quality of my diet has taken a significant hit. So, did you take Lisbeth's case? Yep. And now, I need your weapon support. No problem. I've got your firepower covered. Just let me know if you're looking for any weapons or upgrades. There's bad blood between me and Wei Long, so he is not likely to cooperate. What weapon do you think I should use to persuade him? I prepared some weapons for you. They're all reliable. Pick whichever you like. Alors visiblement on peut les améliorer, mais encore une fois il nous faut de la thune que l'on n'a pas. On n'a pas de sang. Alors est-ce qu'on a perdu tout l'argent que... Donc là en fait il s'affiche les choses qu'on a dans notre inventaire. Ah, j'ai perdu toute la thune. Ça c'est mieux. Start game. C'est quoi ça? Je peux jouer. C'est une PlayStation, non? Sans doute pour enfin. Jeu dans le jeu. Ah. Alors j'ai rien compris au... My God. Comment... Bah y a pas d'obstacle, y'a rien, je... Alors là c'est marvelous. Ouais, c'est... C'est dommage.
sais pas si c'est voulu ou si je passe à côté de quelque chose, mais ça passe rien, on me dit juste de sauter quand je tombe, je meurs. Alors. Back to death. Il y a un truc là ou pas? Map. On voit différents quartiers. Faire reprendre. L'ambiance cyberpunk est pas mal aussi. De retour. C'est déjà ce qu'elle va nous dire. Une petite revanche à prendre. Alors là, visiblement, on peut activer un truc. Hein. Doc. T'es très content du fait qu'il m'ait touché. Merde. This fucking hurts. Ah, là je me souviens, c'est là où on a rencontré notre ami. What the hell are you all looking at? Cinématiques. Put the word out. Whoever kills him gets a 500k reward. Je me sentais bien entendre quelqu'un derrière moi. On peut utiliser nos grenades, cette fois-ci on les dépense, on les balance pas tout ça. Oh là là là, il y a du monde là. Hop. Petite esquive. Fuck.
Alors par contre attention, il y a des effets de coincement dans le jeu, j'ai détecté, qui peuvent être assez vachards. C'est-à-dire que si on se fait coincer, qu'on essaye de sauter et qu'on peut pas, en fait on peut se faire enchaîner. Ça par contre c'est pas très réussi, hein, vu le côté punitif du jeu. Là on va avoir un bonus de force. Les zones cachées nous permettent des fois de débloquer des compétences. Alors par contre qu'on va perdre si on meurt. Là, c'est... Ça va péter peut-être. Alors, je croyais qu'il allait mourir avec l'explosion, mais non. C'est bon les gars. Ouais, j'aurais peut-être dû redescendre pour attendre que mon spécial sur Charles. Je vais essayer de les... Voilà putain, superbe. Alors vraiment, il y a un côté double punitif. Quand on se fait péter par l'explosif qu'on a... C'est dommage. Alors, truc que je trouve vraiment dommage, le jeu propose pas de vie. Enfin, il y en a très peu qui peuvent tomber. C'est vraiment dommage. C'est vraiment tant bien le côté roguelike me dérange pas, mais tant bien le côté die and retry est hyper punitif. Je trouve ça, mais. Frustrant, et c'est surtout que ça gâche le plaisir du jeu qui pour moi est très bon dans sa construction. Mais là c'est vraiment... Parce que, en fait, sur une petite action, en fait on peut faire... on peut tout perdre d'un coup quoi, c'est... Même un Returnal je le trouve pas autant... punitif. Oh là attention, il est... Ah merde! Mais il sort d'où lui? Alors là... J'ai pas compris d'où il sort. Il y avait un trou derrière moi et d'un coup il est arrivé. Pas cool hein. Non, pas cool. Fuck you. Watch this. Ah, pas approché. Non. Je suis un peu reculé là, c'est. Envie de. Il est là. Je peux peut-être me téléporter sur les autres parce que j'avais pas pris de vie. Merde, ah putain. Ça par contre c'est bien ça. Try running again and I'll break your damn legs. Ah la pépère. Oh, qu'il est lui. Kill him! Bring it on, big guy. Is that it? T'as pas l'air d'aimer les bouteilles en verre. Hein. Just a scratch.
Oh là, je viens de me faire défoncer. That's impressive, kid. Merde, je voulais faire mon spécial, mais... Alors, pas terrible le coup du rush coinçage de mur, hein. Pas très, très sympa. Hi Mona, why are you here? Sorry, this door took me a while to hack open. So you're the one who opened the door for me? And I was just running out of ideas about it. Seeing you fight that augmented opponent got me quite worried. Thanks for your concern. How much do you know about that big guy? Well, I'm really surprised that you managed to beat him. These people are extremely strong professionals. Dragon City has plenty of mutant boxing tournaments. Many old professionals who refuse to retire often turn to mutagens to keep their careers going. These mutant boxing matches are extremely cool and bloody. You obviously saw how mutagen users can use strange abilities, such as electrical or flaming attacks. Such spectacles often draw larger crowds. This man is definitely a professional mutant boxer that Wei Long hired. How many fighters did Wei Long hire? I believe he's got more than one of them. I should go after Wei Long. I'm not letting him get away with this. Be safe. Try to avoid fights with such opponents. C'est vrai que c'est mon style de d'éviter les combats archives. N'était qu'on avait débloqué. Enfin, il y a un personnage qu'on a débloqué. Alors attends, comment... D'accord, on a fait le plein de tout. Il semble qu'il reste... Ah, je croyais qu'il me restait un peu de vie. Non, 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 il restait pas de vie. Putain. Un coup à crever ici. Alors, attends. Ok. Putain, d'accord. Oh là là, heureusement que j'ai fait mon spécial à ce moment-là, hein, parce que... Ah, et ça m'a redonné toute ma jauge de vie, et bah mon dieu, c'était inespéré, hein. Ça va aller le coup d'en prendre plein la gueule. Par contre, c'est marrant, oui. Marrant, ça m'a rajouté une fournée d'ennemis. Waouh! Putain, c'est chaud leur truc. Fuck, that hurts! Fucking hell!
Ouais, par contre... Je suis vraiment, vraiment... pas fan de ce niveau, là. Mon dieu. Try hitting me where it hurts. Alors, je pense que là. Malheureusement, il y a une partie du jeu qui a été bien résumée en deux secondes. C'est le côté mais ultra punitif du jeu, mais alors un truc de mal. Le jeu nous a coincé et on en a pris plein la gueule et on pouvait absolument plus rien faire. Vraiment, mais alors vraiment dommage. Ça, enfin, je trouve que c'est pas cool parce que pendant un certain temps on essaye de faire les choses bien et d'un coup tout est gâché et on a limite presque pas la main. Il y a un truc à aller chercher là où j'aimerais bien. Comment on fait pour y accéder? Ah, peut-être. Oh, il devrait s'accrocher là. Peut-être en courant. Ok, non. Bah. Oh. Mystérieux là. Sharpshooter. Okay. Ouais, vraiment dommage. C'est mal. What's wrong? No more running? Yeah, how much do you make in a month? I'll give you a million and we're even. Deal? What was it that I just said? I'll catch you and break your damn legs. I really don't know where that reporter is! Don't come any closer! One more step and I'll jump! Go ahead, I won't stop you. Ah, le minou est de retour. It's really too bad. I advise you not to get involved in this, or you'll die a very tragic death. Aha. Donc là, on va avoir passé un pas important dans l'histoire. C'est le bureau avec notre ami. It's lucky you got back safe, Zishu. Longxi Town is a mess right now. Did we get any leads from the mercenaries that kidnapped Wei Long? The intel unit analyzed the images you sent. They're bionic human mercenaries from Koga Industry. That Japanese company? The large multinational security company? Yes. Koga Industry is a global leader in the private security sector, offering both individual and corporate-level security solutions with their bionic human products. It's a family business, founded in 1979. The director of Koga Industry is a Japanese entrepreneur named Shizue Ogata. She's also 107 years old. Shizue Ogata co-founded the business with her husband, Hiroin Ogata, in 1979, but Hiroin passed away 20 years ago at the age of 93 due to organ failure. Thompson Technology hadn't perfected its core organ transplant technique back then. But Shizue can now use it to keep herself alive. Businesses are extremely competitive in the security sector. The Ogata family fought hard to maintain their monopoly at the early stage. Some family members even sacrificed their lives to achieve this. Shizue's lost all four of her children during the early expansion phase of the business. She now has only her three grandchildren left.
One of them got into the film industry, one is a playboy, and the eldest is Hiroyuki Ogata. Hiroyuki Ogata is a highly skilled warrior who would do anything for the family. But he lacked business acumen and was made the commander of Koga forces instead. With none of her grandchildren competent enough to take over, the old lady had no choice but to continue leading the family business. From what I've heard, Koga Industries' corporate creed is to follow the Bushido spirit, be loyal to its clients and agreements, and attach great importance to its corporate image. They're very selective of their clients. Why would they provide security for a gang member like Wei Long? Forget it. I'll take a trip to Koga now. Easy, man. There's new intel about Lisbeth. The intel unit's AI, codename Fawn, finally ran through all of the surveillance cameras in Dragon City. By comparing every frame of all the video footage over the last few hours, the final location of Lisbeth's car can more or less be confirmed. Ditch Village, an abandoned village 40 kilometers away from the firm. Ditch Village? I remember past reports of an epidemic there, and all the villagers were evacuated. Now that place is cordoned off and abandoned. Why would Lisbeth go there? We sent a drone to take some video clips. The village was completely deserted and no useful intel was collected. Based on these two leads, where do you think will be most worth investigating? Donc là, on va pouvoir choisir parmi deux destinations. Là, c'est là où la voiture de Elizabeth a été identifiée la dernière fois. On va travailler sur l'assassinat de notre fille. Et donc, quand on va prendre notre véhicule. Voilà. Go to the ditch village. Lieu inédit à découvrir. Bien, ça change complètement de la ville et de son côté cyberpunk. Par contre, on a toujours ces très jolis effets de reflets sur l'eau. Oh là, oh là, oh là, ils ont l'air d'être space. Tout avec sa tête de porc. Oh là là. C'est pas rassurant comme endroit. Ouais, c'est ce qui me semblait avoir vu un câble. Ah. Est-ce que le câble a déclenché un piège ou... Waouh, ça donne pas envie de... Hi Tissue, there you are. Hi Mona. See those trip wires on the ground? Try not to touch them. I noticed the wires as well as a few villagers stumbling about this place. I can't really understand their dialect. What do you know about Ditch Village? Ditch is a mountaintop settlement about 40 kilometers from Dragon City. Most villagers work at a local livestock farm before the epidemic. Thomson Technology used to be one of their major clients. The company would buy animals from them for lab testing. Despite having such rich clients, the livestock business was not profitable. Many villagers were in debt, and life wasn't exactly great. Soon later, the media reported an epidemic that broke out in the village and claimed many lives. Thomson Technology donated a large sum of money to help the survivors. Mostly children and the elderly. They were allowed to relocate to Dragon City. It seems Thomson is quite the philanthropist. Well, Thomson Tech does act in mysterious ways. Rumors claimed that Thomson deliberately ended their livestock purchase orders from Ditch. Many villagers already took out loans to raise more animals to sell to Thomson. They ended up unable to pay off their debts. Thomson then came back and bought out the entire place. En tout cas, ça donne pas envie de partir en vacances ici, hein.
Bon, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Histoire de découvrir le... Ah ouais, d'accord, le... piège de détonation, bien... Ah, par contre... Ça l'a pas désactivé, il y a encore. Ouais, c'est génial, ça. Alors, on peut l'activer à l'infini, machin. Ok. C'est bon à savoir. Bon, on descend en dessous, là. Par là. Ah, j'ai une canette de soda supplémentaire. Allez. Bon, par contre, c'est pas mal. Alors là, c'est marrant parce que ça les a détruits, les pièges. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont couru comme des dératés Je me demande ce qui se passe si on fait ça alors qu'il y a un piège sur notre chemin. J'ai activé un... On a toujours pas récupéré de trucs pour les réparer, hein. Et alors, comment on fait pour un double saut en courant, je pense. Nice. Voilà. C'est quoi ce spécial? Ah là, on a changé d'ambiance, là. Ouais, c'est quoi ces trucs? Oh, ben, elles ont des copines. Hein. Il y a bien beaucoup de pièges, je trouve. Ok... notre chemin. Très conservateur, moi, pour l'instant. Ah ouais, bravo. J'ai rien vu, hein. Sincèrement. Peut-être pas descendre tout de suite, j'ai vu qu'il y avait du monde en bas. Ah d'accord, il y a un... Merde, j'aurais pas dû rester à côté. Oups. Olé. Ah, ils ont carrément des armes à feu maintenant. C'est impressionnant, hein, comment ils dégagent les types, là. C'est armé d'une poêle. Il y a un truc qui
qu'elle est... Ah ouais, d'accord, ok. Je viens de comprendre comment ils veulent faire. Hein. Allez. Ouais, super. Franchement, pourtant j'ai été rapide, mais... Non, vas-y. Alors par où? D'accord. En fait, faut pas venir ici. En fait, c'est que du bonus. Ouais. Alors par contre, ouais, le c'est un peu capricieux. Le truc. Hein. Mais non. Crevé, ouais. Casse-pied. Oula, j'ai failli faire une connerie. Bien, voilà le lire. En son temps, le wagon. Hein. Oula. Okay. Tissue, can you hear people reciting some sort of mantra? No, I don't hear anything. Well, the sound is coming from below. There are plenty of people down there. It looks pretty scary. There's a bridge below the window on the right. But the door to the bridge has been blocked. I can try going through the window instead. I won't recommend it. The bridge looks really old and unsafe. But there's no other way. Try to be careful. Bonjour. Bonjour, président. Allez, elle dit que le pont était défoncé. J'aime pas cette zone déjà. Oh là 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 là. What are you doing here? La secte des monstres. Looking for a girl. A girl? Look around. Is this a place where a girl would come? What happened to these people? What did you do to them? You sure ask a lot of questions, and I don't have time to waste chatting with a dead man. Ah, y a de la vie au sol. Hein. Oh là là là. Ça pue tous ces trucs là.
pas me laisser prendre de la vie, hein, parce que c'est sans foirer. On a un espèce de poison là qui nous... Allez. Ouais. On va tarder à cause et je le sens. Nous sommes morts, nous sommes morts. Alors, on peut voir ce qu'on va perdre et ce qu'on va garder. On perd notre argent, on perd nos buffs, alors ça c'est le pire. C'est-à-dire que dans les différents niveaux, on a eu des buffs de vie, de machin, d'endurance, de frappe fort. Par contre, on garde la carte liée à l'homme qu'on a battu. On garde notre arme. Le fait de pouvoir la débloquer n'importe où, on trouvera la carte. Alors on a droit à quelques souvenirs qu'on n'avait pas encore vus. Notre homme repart dans sa journée. Alors dans Process on peut voir notre progression, hein. Long Sea Town on l'a fait. Et après Long Sea Town on voit qu'on avait un embranchement avec un choix et on voit qu'on était à 10 village. Alors on commence notre journée. On va à notre véhicule. Alors, j'avais repéré qu'il y avait la map. On voit Ditch Village, là où on était. Et ce que je trouve bizarre et dommage, alors... peut-être passer à côté de quelque chose, mais... On est obligé de refaire la première mission. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer depuis le début. Certes, il y a des informations qu'on garde, mais on est obligé de reprendre le niveau. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai enchaîné le deuxième niveau. Je voulais vraiment aller jusqu'à mourir. J'ai pas eu besoin de beaucoup provoquer les choses pour mourir, mais je voulais voir une fois qu'on termine un niveau, qu'on va au bout, qu'on meurt, voir à la fois qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd. Même si j'avais déjà pu voir avant ce qu'on perdait quand on recommençait un niveau. Je voulais voir à partir du moment où on débloquait quelque chose, est-ce qu'on était obligé de le refaire ? Visiblement, oui. Alors, moi, sincèrement, le jeu, j'aime beaucoup la patte visuelle. Je trouve qu'au niveau des armes, des techniques, il y a plein de choses. C'est très sympa. Le côté niveau qu'on recommence, qui est différent, me gêne pas du tout. Par contre, je le trouve... extrêmement punitif et je pense que à la manière d'un Sifu voire peut-être même pire ça va être un élément qui va bloquer les joueurs et c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui est super sympa et ce côté là va être à la fois source de frustration en plus on l'a vu alors pas quand je suis mort la deuxième fois parce que là je connaissais pas trop les monstres donc je savais pas trop. Mais à la fin du premier niveau, je me suis fait coincer, j'ai perdu plusieurs fois énormément de vie en pouvant pas faire grand-chose. Donc à la fois le fait que le jeu soit punitif dans son mécanisme pour avancer dans l'histoire et ces problèmes de gameplay où on se fait coincer, on se fait défoncer, malheureusement, ça risque d'être un grand handicap. Surtout, vraiment, il est chouette. J'aime l'ambiance, l'aspect visuel, franchement, c'est très sympa. Donc bon, moi de mon côté, je vais continuer, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo découverte. Je pense que c'est un jeu qui avait un très très gros potentiel.